croyez, je vous ai pas vu. Alors ouais, attends 2 secondes le singe. Je te vois sur la map, mais... Toujours intéressant d'avoir des araignées comme ça dans l'ombre. Hein. Évidemment, évidemment. Mais prends-la, cette bombe de merde. Il doit être dedans le singe en fait. Non, c'est des cœurs et un rubis. C'est bien, des cœurs et un rubis. Bah ouais, mais comment je grimpe? Non mais sérieux, comment je grimpe? Ça c'était juste pour remonter en fait, faut passer par un autre trou. Ok, il fallait juste faire ça en fait. Je me sens un peu stupide. Donc, ah mais ici il faut une clé. Est-ce que j'ai une clé? Je crois pas. Ouais, j'ai pas la clé. Peut-être après. Peut-être dans la salle d'après. Peut-être par là j'aurai la clé. Du coup, le gameplay aura peut-être l'air plus naturel, du coup, vu que je suis peu la Solus. Ouais, il m'en manque 2, donc. Un qui est dans la pièce à gauche et un qui est dans la... et à droite dans la pièce précédente. En fin de compte, il va te falloir l'aide des singes pour explorer tous les coins et recoins de ce temple. On n'a pas le choix, va sauver les autres singes. Oui, bah écoute. Je fais qu'est-ce que je peux, Navi. Oui, je vais taper Navi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Salut! Ah
Oh, ta mère. Ah, par contre, je suis en train de me dire. Bon, c'est bon. On va pouvoir passer. On va pouvoir se poser en fait. En fait, mon stick analogique est, de ma manette, il est un peu fatigué, j'ai l'impression. Il part à gauche alors que je monte. Donc, elle est où? Bah, il y avait une araignée ici. Peut-être que je l'ai tué avec le boomerang tout à l'heure sans faire exprès? Pourtant, j'étais loin. Vous voyez, là, je vais en haut et il va à droite. À gauche, pardon. Et du coup, je compense et là, en fait, mon stick, il est. Je le coince. Nord-est, au lieu d'être nord. Bonjour! C'est bien la peine. C'est bien la peine de m'embêter et de faire du bruit. Donc là, normalement, on va avoir une petite clé et un coffre. Oh, calmez-vous bien. Alors. Est-ce que ça marche ça? Ok, bon maintenant je sais. C'est foutrement pratique. Ça fait penser au scarabée. De Skyward Sword du coup. Mais en vrai les boomerangs dans Zelda ils font souvent ça. Et ils vous ramènent les objets qu'il y a sur le chemin. Le grappin fait ça aussi, au moins dans Link's Awakening, ça c'est sûr, je m'en rappelle. Et voilà la petite clé. Ah, bien joué. T'as bien raté la plateforme, c'est beau. Ça c'est pareil. Ah, zut. Est-ce que ça va le faire comme ça? Oui. Il est malin, hein, le truc. C'est un saillant. Oh, je m'en doutais que j'allais me faire baiser. Faut te calmer, hein. Le Boko Blanc, il s'en fout, mais d'une puissance. Oh, lâche-moi les mollets. Je suis pas ton ami. D'accord. C'est pas grave. Tu es sauvé, mon petit ami simiesque.
Voilà, bon, on a tout fait normalement, on va pouvoir aller se goinfrer le boss. Et ce sera très bien. Allons, il faut d'abord aller récupérer l'autre maintenant qu'on a la clé. Il faut aller récupérer celui de tout à l'heure. Et comme dirait Zell, ça va le faire! Tu t'inquiète pas, Squall! Je s'occupe de tout! Effectivement, cette zone-là, je l'avais fait. Je m'en rappelle. Je me rappelle plus du tout du boss. Certainement une araignée. Mais... C'est bon? Saleté! Par contre, il a une hitbox un peu nulle pour ramasser les rubis, je trouve. Même les cœurs, faut vraiment taper dedans pour les choper. Coup de gras. Bon, ça pend. Allons, ciel qui explose en mourant. C'est vrai, tout va bien. Donc, ici, il y a un coffre aussi. Ok, tu te calmes. Voilà. Non mais donnez-moi des cœurs en vrai, c'est mieux. Je préfère. Bah voilà. Il suffisait de demander. Du coup... Voilà, parfait. Eh, c'est comme ça que Link il ouvre les coffres avec sa tête. Comme dirait... Oh, Selna, ouais, il ne va pas rentrer dans la bourse, on va tourner à sa place pour les mamans. Sinon, tu pourrais les mettre dans ton bonnet. Ah, oh, c'est dégueulasse, parce que, genre, j'ai une bourse 300 rubis, et là, j'en ai eu 20. Il aurait pu m'en mettre que 17. Ah, mais non, parce que c'est un rubis qui en vaut 20. Oui, d'accord. Donc, effectivement...
Bon, c'est abusé, parce que dans ces cas-là, ça veut rien dire. Dans ces cas-là, en fait, je devrais avoir une bourse avec des emplacements de rubis, et quand j'en ai 10, bah, elle est pleine. Mais là, ça marche. C'est pas cohérent, pour le coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Pour le coup, c'est pas cohérent. Parce que, oui, effectivement, je peux plus mettre que 20 rubis. Mais le truc, c'est que c'est, enfin, là j'en ai 284. Voilà, 289. Donc je peux en mettre encore 11. Donc voilà. C'est vraiment bizarre. Enfin, tout dépend comment c'est fait, mais je suis pas sûr qu'il compte comme ça. Bref. Oh, est-ce qu'il veut me faire une échelle de singe? Il veut me faire une échelle de singe. C'est bien foutu. Eh ouais, c'est beau, putain. J'espère qu'il faut pas sauter au bon moment. Hein. Si, il faut sauter au bon moment. Ah, on nous donne de quoi régène. On n'a pas encore vu de fée, hein. On est au début du jeu, cela dit. Mais... oui. Donc je disais, on n'a pas encore vu de fée. vous avez attrapé une fée avec votre flacon. Cette bonne fée reviendra à votre rescousse quand vous serez à bout de force. Voilà, signant, oui, d'accord. Oui. 8 coeurs, ça redonne, c'est bien. Vu que j'en ai que 3. Et là, Link s'est fait détruire le pied par le machin, le cadenas. Oh non, pas ça, pas du poison partout. Ah oui. Dionea, mauvaise herbe du crépuscule. Si c'est juste ça, c'est pété, hein. Si c'est juste ça, je suis déçu. Hein. Ah. Un vrai boss. D'accord, avec un œil dans la bouche, ça doit être un petit peu bizarre. Montre-lui ton cul! Ah!
Allez, ramène la bombe. Le singe. Ah oui, ça t'a pas plu. Je l'ai pas vu arriver alors que j'aurais dû. Ça fait penser un peu au combat contre Poison Ivy dans Batman Arkham Asylum. Un petit peu. Avec moins de bombes et moins d'épées. Quoique bombe, il y a le gel explosif. Au moins le cœur il tombe pendant la cinématique, tu vois où il est quoi, c'est pas comme dans c'est dans Majora où le cœur il m'était apparu dans le dos. Ou c'est dans Ocarina, je crois. Parce que Majora il y a 4 donjons en fait. Mais c'est dans Ocarina of Time. C'est quoi, un masque? Ah, c'est un morceau d'armure. Bien joué. Ce que je cherche, oui, c'est exactement ça. C'est un cristal d'ombre. Ah, d'accord. Bah, on dirait un morceau d'armure. Il contient ce que vous, les autres, les habitants de la lumière, appelez le pouvoir des ombres. Ah, mais au fait, l'esprit a dit que si tu obtenais le pouvoir des ombres, le monde serait sauvé, non? Et tu crois vraiment que ce pouvoir s'apprivoise aussi facilement? Il y a en tout 3 cristaux d'ombre, ce sont sûrement les esprits de la lumière qui détiennent les 2 autres. Et que 3 donjons, du coup, enfin 3 donjons principaux. Lorsque tu les auras récupérés, je t'expliquerai ce que ces cristaux représentent réellement. Enfin, si tu es sage. Je serais toi, je me mettrais en 4 pour les retrouver. Allez, il en reste 2, mettons-nous en route. Je vais te faire sortir d'ici, n'oublie pas de prendre le réceptacle de cœur, ce serait ballot. Oh oui! Vous obtenez un réceptacle de cœur, votre énergie vitale augmente à cœur et tout, et vous retrouvez toutes vos forces. Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite? Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui, de toute façon, le coffre du début, je pourrais pas l'avoir, il faudrait que je reset le donjon, j'imagine. Ça doit faire mal. Oui, on sauvegarde, oui, carrément. Surtout le toucher à rien. Héros, Link. Ah, le reste. Il reste en Hyrule encore bien des endroits étouffés par les ombres. Une fois sorti de ces bois, tu trouveras à l'est les terres protégées par l'esprit Ordine. Là-bas, tu trouveras probablement ceux que tu cherches à sauver. Ordine, c'est le volcan, c'est là où il y a le volcan en vrai.
Cependant, sache que ces terres sont encore recouvertes par les noirs nuages du monde, les ombres, le crépuscule, le mal. Lorsque tu les fouleras, ton corps redeviendra loup. Sois prêt à accepter ta condition d'animal. Va, élu, sors de ces bois et dirige-toi, dirige tes pas vers l'est. Il te faut trouver les terres d'Ordine. Parfait. Tu n'as plus besoin de les chercher maintenant, puisque tu sais où ils sont. Je suppose qu'évidemment, tu vas aller les sauver, non? Ne t'en fais pas, je te donnerai un coup de pouce quand tu seras en loup, si tu es sage. Bon, eh bien, il te faut maintenant trouver la prochaine frontière. Avec le crépuscule, je t'aiderai à entrer quand on y sera. Salut. Eh ben, c'est super, les gens. Grosse session, j'ai dû tourner 2 heures, à mon avis. Je pense. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine, parce que je suis fatigué, et j'ai plein de choses à faire. Et surtout, j'ai faim. Donc, je vous fais des bisous, et la prochaine fois, eh bien, on ira à cette contrée de l'Est, voilà, voir du côté d'Ordine, comment ça se passe. Je vous fais des bisous, et que la Triforce soit avec vous.